Dans votre livre Aventure par-dessus les mers, il y a en gros une dizaine, une douzaine d'histoires. Oui, je crois qu'il y en a 16. Il y en a 16. J'ai en gros, oui, c'est une douzaine. Quelle est l'histoire qui vous touche le plus? Quelle est celle pour laquelle vous avez vraiment passé peut-être des nuits blanches? Eh bien, celle qui m'a le plus étonné d'abord, et qui commente d'ailleurs ce livre, c'est le sauvetage sur la banquise des 101 naufragés d'un navire soviétique en 1933-34. Et qui, mon Dieu, s'est trouvé pris dans les glaces et la tempête a détruit le bateau. Donc, pratiquement, ils étaient tous naufragés. Heureusement, ils se sont réfugiés sur des glaces. Il fallait les sortir de là, 150 km de la côte. Impossible avec des traîneaux à cause des cassures sur la glace. Et donc, c'est l'aviation soviétique, la toute jeune aviation, qui a réussi, à force d'exploit, à sortir les 100 personnes, puisqu'il y en a un qui s'est noyé au moment du naufrage du bateau, y compris des femmes, des enfants. Et ça a été formidable parce que, pour revenir à Jean-Marie Lebris, c'était son rêve qui se réalisait là, alors que l'aviation n'était pas encore au point comme maintenant, et que même les Soviétiques n'avaient pas les avions qu'il fallait. Ils ont acheté 2 bimoteurs aux Américains, en Alaska, mais ils ont réussi un tour de force fantastique. Parce qu'il fallait faire vite. Voilà, et c'est quand même très méritoire, parce qu'en fait, autant Jean-Marie Lebris que donc les Soviétiques, avaient un but tout à fait humanitaire. Absolument. C'était pas uniquement pour le plaisir, ou le défi, ou le challenge. Non, mais le premier Albatros qui a volé par la suite, c'est en 1914, c'est un chasseur allemand qui, lui, s'appelait l'Albatros, mais l'Albatros portait non seulement la croix noire, mais déjà la croix gammée. Et il n'avait pas du tout envie de sauver quelqu'un, et c'était un redoutable adversaire. Alors, est-ce qu'il y a une histoire pour laquelle vous avez beaucoup ramé, comme on dit, pour trouver des renseignements? Ou est-ce que c'était en général très facile? Oui, j'ai hésité longtemps, c'est celle qui est pour titre, « J'ai tué Saint-Exupéry ». Tu vois, c'est un titre curieux, hein? Oui, parce que c'est le récit par l'aspirant Erkel, allemand, qui, sans savoir que c'était Saint-Exupéry, mais il est bien évident que... Conteste quoi ? Conteste que ce soit les Allemands qui aient abattu Saint-Exupéry. Hein. Et pourtant, d'après la lettre que l'aspirant a écrite le lendemain à son ami, qui était lieutenant-pilote, il lui a dit « Je viens d'abattre hier un appareil, un diable à queue fourchue, comme il les appelait, les Lightning, qui se trouvait à tel endroit, à telle altitude, à telle heure exactement. » Or, à cette heure-là et à cet endroit, il n'y avait qu'un seul appareil allié en vol, celui de Saint-Exupéry. Donc il n'y a pas de doute. Donc il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, on a retrouvé le corps de Saint-Exupéry récemment, qui était enterré parce que la mer l'avait rejeté, bien sûr, à terre, et qui a été enterré dans un village, je ne sais plus où maintenant. Mais c'est sûr, quoi, que c'est bien, le récit est bon. Mais j'ai hésité parce que, comme les Allemands contestaient, on m'a même demandé de ne pas passer la photo de l'aspirant Erkel. Oui, mais est-ce qu'ils ont une autre théorie en face? Non, aucune, personne.
Au large de Saint-Nazaire, par une nuit de décembre 1791, une effroyable tempête jette à la côte le cousin Paul, trois mâts du capitaine Angot en provenance des Caraïbes. Dans le mugissement du vent, le navire désemparé est en perdition, menace à tout moment de se fracasser sur les rochers. À terre, l'angoisse étreint les familles, le canon tonne. En ces temps troublés, où la tourmente révolutionnaire voit s'affronter les hommes, le naufrage va déchaîner les passions, les rivalités. Entre Paubleu, le séduisant pilote, Bournonville, fourbe, ivrogne et débauché, Périne, blonde servante de l'auberge, Béatrice, belle mulâtresse, fille du capitaine, le drame va éclater et bouleverser le cours du destin. Des personnages extraordinaires traversent cette superbe histoire où, dans le bruit et la fureur des éléments, s'opposent l'amour et la haine. En même temps qu'un hommage à l'héroïne des pilotes sauveteurs, le passionnant ouvrage d'Henri Dumoulin, spécialiste de l'aventure maritime, est aussi un hymne à l'océan grandiose et redoutable. Paubleu. C'est un roman. Paubleu, pilote des tempêtes. Un roman paru en 1994, édition L'encre de marine. Je vais vous en lire la page 222. La sauveteuse faillit être piégée et ne plus pouvoir revenir sur l'autre face de la carène. Là, il restait plusieurs pieds d'eau sous la quille dans les creux, mais la marée allait continuer à baisser, pas temps à perdre. Paubleu décida. Je porte à la nage la touline à bord et je me charge du reste. Le froid, de plus en plus vif, pointillait les visages de coups d'aiguille. Par ce temps, tu coules à pic, dit Pierre. Faut pas. N'y va pas, cria Toinet. La sauveteuse montait et descendait dans la houle. Joseph ne cessait de sonder pour éviter d'échouer. Paubleu se taisait. Chacun savait qu'il était inutile d'essayer de le faire changer d'avis. Déjà, il se saturait de la ligne, tournait à nœud de chaise et sautait à l'eau. Il nagea d'abord frénétiquement pour se réchauffer. Pierre filait le cordage à la demande à mesure qu'il s'éloignait. Bientôt, Robert, celui qu'on surnomme Paubleu, atteignit la quille, s'y jucha, tenta d'escalader la coque ventrue. N'y parvenant pas, il la frappa du plat de la main violemment. « Où est là-dedans » cria-t-il. Un filet de voix traversa le bordé, un appel juste murmuré auquel il répondit « J'arrive !» Il hala le cordage du va-et-vient et le fixa provisoirement à un embryo brisé. Puis il entreprit de contourner l'épave. Chaque passage de houle le submergeait jusqu'à la poitrine. Puis il disparut, et à bord de la sauveteuse, on attendit impatiemment sa réapparition. Après quelques minutes interminables, on l'aperçut juché sur un vestige de la dunette. Il laissa tomber les bras le long du corps et hurla « Vite, vite, viens me donner un coup de main, Jean-Baptiste !» Il le tira par la poulie du va-et-vient et ils disparurent dans les entrailles lacérées du beau navire où les flots farfouillaient en grondant, mécontents d'être dérangés. Celui qu'on appelait, qu'on surnommait Paubleu parce que, dans le passé, il avait chassé et tué des requins,
restera le dernier à bord et finalement sera happé par la mer alors qu'il tentait lui-même de regagner la chaloupe de sauvetage. Eh oui, mon père a fait le choix de laisser Robert, surnommé Peau Bleue, son héros, mourir en héros. ...1982, aux éditions du Penduic, papa fait paraître La mer, école de vie. Il choisit d'illustrer la possibilité pour des handicapés physiques de pratiquer, de naviguer, en quelque sorte, à la voile. Voici la préface d'Alain Floch, président de la Fédération nationale Navisport. La mer est monde d'humilité, de tolérance, de liberté. Plus qu'ailleurs, la différence y est relative. La chance du héros de ce roman d'Henri Dumoulin est d'avoir eu accès à ce monde qui désormais le passionne. Puisse son exemple être suivi par un grand nombre de personnes handicapées. Pour elle alors, la vie redeviendra belle, la mer aussi. Alain Floch. Je vous lis la page 174. Comment ne pas penser à la félicité? Nous sommes soulevés par les lames et poussés vers les roches. Le fonceur, moteur trop au ralenti, n'est plus manœuvrant. Il faut pourtant que nous approchions. J'avais peint Félicité en grosses lettres noires sur notre bouée, mais il est impossible de distinguer l'inscription dans le bouillonnement. Et puis, voilà qu'à chaque repli de vague sur une roche, je crois apercevoir « Là-bas, Patrick !» crie l'empereur qui a vu aussi. « Une forme sombre, une forme humaine !» Nous pensons à... Nous ne disons rien. Nous ne voulons rien dire, il faut approcher. Deux fois, nous avons dû virer de justesse pour éviter la tête d'un écueil émergent. Là-haut, sur la falaise, pas qui vive. Personne à qui faire signe. Allons-nous faire demi-tour, filer au croisic, chercher du secours? Le flot aura submergé le corps et l'aura emporté. Il n'y a pas d'autre solution que de l'atteindre immédiatement. Le fonceur ne cale pas beaucoup et très bourdant connaît chaque caillou, mais les remous sont capricieux. Le vent marque une pause, le ciel s'éclaircit. On distingue mieux l'homme couché sur le rocher qu'il paraît serré dans ses bras. « Papa, papa !» L'empereur mord sa moustache. « Albert, allons-y !» Le fonceur frôle la fourrure d'algue d'une roche qui rague le liston, puis la quille talonne durement. En arrière toute, le canot se balance sur les crêtes vitreuses, la mer se retire, elle reprend son élan et nous entraîne avec le flot qui s'engouffre en écumant dans la faille. Mon père gît à quelques mètres, mais les vagues brisées qui se replient en succion bruyante nous éloignent de nouveau. À genoux, gaffe en main, corps tendu à la proue, trempé, je veux réussir. Mon père, une nouvelle fois, nous évitons les roches à tribord, mais nous heurtons violemment les cailloux dans le ressac. Le fonceur va se disloquer, il faudrait attendre, mais la marée va bientôt recouvrir Albert. Instinctivement, nous regardons là-haut sur la côte. Marianic apparaîtra peut-être. Elle est si bonne nageuse qu'elle a dû réussir à prendre pied quelque part, plus loin.
et chercher du secours. Cette pensée est sans fondement, mais elle nous réconforte. Trébourdin s'attache un bout autour de la taille. Il crie dans le vent « Mouille l'ancre, file la chaîne, je vais débarquer sur les rochers. »« Non, moi, ta patte ne vaut pas la mienne, tu nous haleras avec le guindeau. » Il jure en tombant dans les goémons visqueux où il avance à quatre pattes. Il va atteindre la petite plateforme. Mon père. Du milieu du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les paysans des campagnes de Bretagne ont été obligés d'abandonner leurs terres pour chercher du travail dans les industries à la périphérie des grandes villes. Mathieu, le héros de ce livre, est de ceux-là qui, pour fuir la misère rurale, va quitter ses collines des hauts villages et devenir ouvrier dans une usine près de Nantes. Toute l'épopée de la reconversion du monde paysan apparaît dans ce roman, à travers un homme, trois générations et une famille qui luttent pour améliorer la condition ouvrière. Dans le monde du travail très rude, où malheur, accident, catastrophe semblent le fait d'un destin qui s'acharne sur les plus démunis. Mathieu et son clan refusent cette fatalité. C'est le début de la lutte syndicale contée à travers cette vaste fresque. L'auteur dépeint avec précision et sensibilité l'histoire, les événements petits et grands, les heurts et malheurs de la grande mutation des ruraux en citadins dans leur traversée d'un siècle d'espoir. À 78 ans, mon père a affronté courageusement et positivement l'épreuve d'un cancer. Il l'a gagné. Il a eu un peu de temps pour faire éditer, à 80 ans, deux ans plus tard, un roman aux éditions d'Orbestier, L'homme des collines. L'homme des collines, c'est un roman qui pourrait se vouloir autobiographique, mais je ne dirais pas cela. L'homme des collines, c'est un homme qui descend des hauteurs du sillon de Bretagne pendant sa jeunesse, la hauteur du sillon de Bretagne où son père, mon grand-père, a vécu son enfance. Donc c'est un peu l'histoire, dans les années de 1900 à 1945, d'une population paysanne qui descend des hauteurs du monde rural pour, au bord de la Loire, à Couëron, trouver le monde ouvrier dans la fonderie de plomb qui faisait des plombs pour les cartouches de chasse. C'est une époque qui est à la fois celle de son père et celle de son enfance aussi. L'homme des collines. Je vais vous lire le tout début. Ce livre m'a été dédicacé le 30 décembre 2001. Un dimanche de l'été 1890, Jacques Talouet quitta dès l'aurore les bords de la Loire
puis longea les prairies, où le foin frais fauché sentait bon. Délaissant la route, il s'engagea d'un pas énergique dans le sentier abrupt qui grimpait au sillon de Bretagne, chapelet de collines aux roches érodées depuis des millénaires qui s'étirent du pays nantais jusqu'en Morbihan. En 2 heures, il atteignit la lande où les genêts scintillaient au soleil, puis il contourna le parc d'un château pour arriver à une métairie blottie près d'un vieux châtaignier. Jacquèse, souffleur à la verrerie de Couéron, avait obtenu du maître de fabrique un dimanche de congé sans salaire, selon la règle. Il allait rendre visite à sa sœur malade et dépressive. Immobile, au seuil de la chaumière, il jeta un coup d'œil dans la pénombre qui estompait la haute armoire, le coffre à grosses serrures, la longue table flanquée de bancs et les lits de coin à rideaux. Il découvrit alors Gwenola, assise sur un paillasson dans l'âtre aux braises à peine rougeoyantes. La trouvant prostrée, il hocha la tête et, tandis qu'avec son grand mouchoir à carreaux, il s'essuyait le front où la sueur perlait, il demanda, en adoucissant la voix, « Pourquoi restes-tu ici ? Il fait bon dehors ce matin. Aurais-tu peur du soleil, comme les dames de la ville, qui craignent de gâter leur teint de plâtrier ?» Tournant lentement la tête vers lui, elle soupira, puis chuchota, « Pauvre de moi, si tu savais. »« Mais je sais, ouais, je sais, » répéta-t-il. « C'est pour ça que me v'là. » Il lui posa la main sur l'épaule en une pression à la fois douce et ferme. Gwenola était seule au logis. Pelal Kiroal, son mari, assistait à la messe en l'église de Saint-Étienne, à une lieue de là, avec 3 de leurs enfants. Jacquèse s'assit sur un tabouret qui branlait sur le sol de terre battue et fixa sa sœur sous ses sourcils touffus. Il lui reprocha, mais d'un ton tranquille, « Tu n'as même pas eu le courage de t'endimancher. Autrefois, tu étais pourtant si coquette avec la coiffe de chez nous qu'on te prenait pour une factrice. » Et voilà, je vais en rester là. J'ai eu beaucoup de plaisir à évoquer, à faire revivre pour ta descendance, papa, ce que ta plume et ton pinceau t'ont permis de réaliser. Je crois que je peux être fier de ce que tu nous as laissé. C'était donc un montage réalisé par le 3e Henri Dumoulin en souvenir de son père. Je vous remercie de votre attention. Salut.